peut dire à cet homme-là que voilà le docteur qui m'a coupé à la langue. Je ne sais pas si c'est un compliment. J'étais là, je le regardais. Alors que moi, je pensais qu'il allait faire un bien. Parce qu'il devait mourir si on ne faisait rien. Troisième problème, c'est l'infection. Donc, je peux dire beaucoup dans la jeunesse des accidents. Donc, dire qu'il faut prendre à zéro le taux d'accident, c'est illusoire. Par contre, organisons le processus. Si il y a accident, on doit venir. Et cela passe par des soins pré-hospitaliers et post-hospitaliers. Les soins commenceront par le lieu de l'accident à l'hôpital et après, il faut veiller à la réinsertion. Et dépendre pour la directive, en Afrique, on est très investi. Les gens dépensent des trucs, mais nous, avec $1. Donc, nous disons, aidez-nous à mieux prendre en charge aux patients. Si je donne des images, mettez-les à l'équipe. Si sincèrement, je vous le fais, je vous le dis, je vous le dis, je vous le dis, je vous le dis. Merci beaucoup, professeur Malo. Les décideurs qui soient